comment est-ce que le Bronx est devenu un lieu non dangereux ? C'était la base pour pouvoir faire un projet. Right. I mean, like any... Comme tout endroit. Si vous voulez chercher du danger ou de l'insécurité, vous pourrez le trouver. Mais ce que j'ai vu dans le Bronx, même lorsque cela était considéré comme un endroit très dangereux, comme à l'époque où mon frère a été tué, il y avait quand même à l'époque un sens de quartier, une vie de quartier, et les gens étaient solidaires. Et lorsque j'étais enfant, je ne me sentais pas... en danger personnellement. Et quand j'étais plus grande, je ne voulais pas rester dans le quartier parce que je pensais que cela était peut-être quelque chose de négatif, qu'il y avait un certain dénigrement et que je ne pourrais pas, et que personne me verrait, me considérerait comme une personne à part entière. Mais je ne me sentais pas en danger physiquement. Mais si je voulais prendre des drogues, oui, effectivement, si je touchais aux drogues, j'aurais été dans une situation d'insécurité. Mais ce qui se passe finalement, on développe des liens avec d'autres personnes dans le quartier et il y a une certaine solidarité, un sentiment de sécurité qui... parce qu'on sait qui est son ami et on le sent instinctivement. Une des choses qu'on va faire, c'est une façon de faire travailler la police et les habitants du quartier, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension des deux côtés, et on va développer toute une stratégie avec la police locale afin qu'ils soient plus proches, qu'il y ait une plus grande proximité pour que les gens du quartier les considèrent comme des êtres humains, avant de les considérer comme des flics. Je connais les initiatives du type jardin partagé. Ça reste, à mon avis, ponctuel. Je veux dire, c'est pas un projet structurant comme peut l'être la Green Highway du Bronx. Les initiatives que tu as citées, faire participer les adolescents d'un quartier à l'évolution d'un projet. Justement, c'est faire participer. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est l'aménageur. Il y a un aménageur, donc une initiative publique. Et qui, d'accord, associe, demande leur avis à des gens, mais ce n'est pas l'initiative des gens qui fait le projet. Voilà, c'est ça qui me frappe dans le dernier exemple que Major a montré, la gare. Non seulement elle a eu l'initiative d'aller chercher cette propriété qui menaçait d'être à l'abandon, mais elle en a fait un projet qui est destiné à donner de l'emploi aux gens, on nous l'a dit, mais cet emploi consistait d'abord à concevoir le projet et ensuite à le réaliser. Et tout ça à partir d'une initiative totalement locale et privée, bien sûr. Donc c'est ce qui me frappe dans les exemples qu'on a vus, c'est cette capacité de créer à partir d'aucune initiative publique, encore une fois, avec aucun support public au départ. Le support public vient sans doute après, mais justement, après. Voilà. Donc il y a une espèce d'inversion des facteurs d'intervention par rapport à ce qu'on connaît ici. C'est ce qui me semble frappant dans tout ce qu'on a vu. Il y a tout de même des expériences de création d'habitat partagé. Il y a des expériences. Il n'y a pas rien en France, c'est vrai. Mais au niveau américain, certainement pas. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons invité Majora. Mais on n'est pas complètement absent de cette capacité de l'habitant à exister et à être partenaire, je pense qu'il faudrait des témoignages dans la salle. Est-ce que d'autres... Oui, ici. On va vous donner un micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a la traduction. Oui,
Bonjour, Bruno Gualou, directeur général d'H4. D'abord, je voulais saluer Marjorie Carter. Je suis ravi de revoir, après avoir assisté à l'atelier il y a 2 ans dans le Bronx, et la remercier de nous gratifier d'un look à la parisienne aujourd'hui. On l'avait vue en tenue de terrain il y a 2 ans. Là, elle s'est adaptée à son environnement. Et je trouve ça formidable. Moi, je veux reprendre le sujet qui vient d'être évoqué. Nous intervenons sur une 15aine de projets urbains en France. Et franchement, peut-être que la SEMA Est est particulièrement exemplaire dans ce domaine, mais on en est au degré zéro ou quasiment zéro de l'association des habitants à la requalification de leur ville. Et avant la réunion, cette réunion, j'étais avec Madame Hopman à l'ANRU, où il y avait un bilan qui était fait sur les plans de rénovation urbaine, simplement pour constater que sur l'aspect requalification des bâtiments, globalement, c'était une réussite, mais que sur l'animation sociale des projets, c'était un désastre. Et peut-être que j'exagère, simplement pour dire qu'à partir du moment où les gens ne sont pas associés aux projets urbains qui les concernent au premier chef, naturellement, on ne peut arriver qu'à ce constat au terme de son aboutissement. Et je crois que, évidemment, on est dans des philosophies complètement différentes, mais que si Majorat, dans des villes aussi sympathiques que Sevran ou les quartiers nord de Marseille, voulait aujourd'hui prendre des initiatives comparables, elle ne pourrait pas le faire, parce qu'il y a des organismes spécialisés qui ont des monopoles, et que la première chose qu'elle aurait à faire, c'est d'apprendre par cœur le code des marchés publics. Majorat serait ravie d'apporter sa prestation à des expériences françaises, elle me l'a dit. Il faudra qu'elle apprenne le français. Elle a un mari qui parle à peu près français. Elle est très demandeuse de participer à des expériences françaises. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je pense qu'après votre intervention, ce serait bien que Jean Badarou s'exprime, parce qu'il pilote à Roubaix dans une ville difficile, hein, presque le Bronx français, une opération où les habitants sont très étroitement co-concepteur et participe au projet. Donc avant de faire réagir Majorat, je voulais donner aussi une expérience française qui se rapproche un petit peu de ce qu'on vient d'entendre. Je vais y aller en français. Sur la situation, je pense que Ariella, tu as raison. Tout ce que Marjorat a raconté sur l'histoire et sur la constitution du territoire, j'aurais pu le décalquer pour Roubaix. Effectivement, le même processus, la même façon dont le territoire s'enfonce, cette histoire de la ville post-industrielle, etc., il y a vraiment des parallèles qui sont tout à fait frappants. Sur l'identification des besoins et des solutions, je pense que là aussi, il y a des parallèles qui sont frappants. Là où je pense qu'il y a quand même une vraie différence et sur laquelle j'aimerais que Marjorat précise, c'est le mot communauté. C'est finalement cette capacité d'un territoire à s'exprimer pour lui-même, pour agir sur son propre devenir. Ma question, c'est est-ce que ce mot communauté qui structure la totalité du propos de Marjorat, est-ce que la communauté, elle existe comme un fait ab initio? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se construit? Et je pense que notre problème à nous, c'est premièrement qu'une communauté, je dirais, responsable, capable de bâtir du projet de façon réaliste, n'existe pas et que nous n'avons pas, par ailleurs, l'ingénierie pour aider à le bâtir. Ouais. Alors, il y a des initiatives. Je pourrais parler, effectivement, d'une initiative actuellement à Roubaix visant à refabriquer de la production textile. Mais on est loin de cette espèce de réalisme, identification du besoin, identification du marché, bâtir quelque chose à petite échelle et porter son projet, pas réclamer les sous pour essayer de prouver éventuellement que le projet éventuellement pourrait exister. Oh, bon. C'est ça le boulot, c'est ça le travail, c'est ça qui est vraiment le défi, c'est vraiment très passionnant, je l'entends dans votre voix, il y a des choses qui se passent, et c'est une inspiration. Bon, je reviens un peu en arrière, si vous voulez bien. Vous êtes en train de construire cette capacité au niveau de la communauté ou du quartier, je ne connais pas bien ce quartier, mais il me semble qu'il y a eu. Vous avez dit des choses comme, vous avez dit que les gens ne sont pas prêts à faire ce genre de travail, de réfléchir à quels sont les besoins, et, etc.
Mais il faut commencer avec les gens tels qu'ils sont. Et souvent, il y a des personnes qui sont laissées pour compte dans ces quartiers. Ce ne sont pas les ingénieurs, ce n'est pas les urbanistes, mais ils ont une vision. Si vous leur donnez la possibilité, ils vont vous aider. Ce sont les experts, pas parce que ce sont des ingénieurs ou ils sont allés à l'université. Non, pas simplement parce qu'ils savent ce qui ne fonctionne pas et ils ont peut-être des idées à savoir ce qui pourrait fonctionner. Et lorsqu'on demande aux gens d'y réfléchir, c'est simplement leur donner des outils pour leur permettre d'imaginer un potentiel autre. Et c'est ça le travail que vous devez effectuer. En ce qui concerne l'identification des besoins, il faut donner aux gens suffisamment d'occasions de sentir qu'ils peuvent réussir. Donc, en tant qu'organisme, en tant que responsable, vous êtes obligé de faire des études, des analyses pour savoir quels sont les besoins. Ça, c'est sûr. Mais si vous avez suffisamment de solutions possibles, que les gens puissent s'identifier à ces solutions, ils vont vous dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Ils vont vous donner cette occasion de comprendre. Et c'est comme ça que vous devez tenter de tester votre modèle. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher des subventions ou des fonds, un financement énorme. Non, il faut commencer avec un petit projet pour que les gens puissent avoir un aperçu de ce que cela va devenir. Et ensuite, ils vont le travailler et l'ajuster. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont impliqués. Et c'est grâce à leur contribution qu'ils vont être engagés. Et ensuite, vous pourrez développer quelque chose à plus grande échelle, qui sera le projet définitif. Mais les gens sont là où ils doivent être. Il faut les encourager, les pousser dans une autre direction. Mais le travail, on doit débuter ce travail avec la population et leur donner l'occasion de vraiment se sentir impliqués et engagés dans le processus de conception. Alors, je vais reformuler ça. Moi, j'ai été élevé dans mon quartier, mais je suis peut-être une des 5 personnes qui est toujours dans le quartier avec un diplôme d'études supérieures. Donc, dans mon quartier, je suis considérée comme une étrangère. Et c'est ça le problème. C'est un problème que je constate. Parce que la vision que moi, que j'ai pour la diversité économique n'est pas... Moi, je ne suis pas une personne spéciale. Moi, je veux qu'il y ait plus de personnes comme moi qui aient cette vision de leur quartier et des potentiels, développer les opportunités. C'est quelque chose d'intéressant, les réactions. Les gens me disent parfois, les gens qui me connaissent dans mon quartier disent, « Ah, Majora, où est-ce que tu habites maintenant ?» Mais j'ai une maison dans le quartier, je suis voisine. Je suis à 2 pâtés de maison de chez vous. Mais c'est intéressant de voir ça. Mais je pense que et cela veut dire que les gens ne se sentent pas capables de contribuer. C'est ça la réalité auquel nous sommes confrontés, nous qui voulons faire ce travail. Notre travail... Notre objectif devrait être d'aider les gens et leur aider à se dépasser.